Donc la station d'épuration du Corniguel, donc, qui appartient à Quimper Bretagne Occidentale, produit du biogaz depuis la création de la STEP en 2004, lors de la construction d'un digesteur. Ce digesteur donc, produit un biogaz qui est pour l'instant récupéré et réutilisé à raison d'un tiers pour les besoins de la station. Et les deux autres tiers actuellement sont brûlés dans une torchère. Donc actuellement, le projet consiste à épurer ce biogaz de façon à pouvoir le réinjecter dans le réseau gaz. À l'origine de la création de la station, le digesteur avait uniquement comme objectif de réduire le volume de boue et le biogaz était un sous-produit. Alors qu'avec les évolutions réglementaires et les évolutions sur les transitions énergétiques, aujourd'hui, la collectivité a fait le choix d'essayer de valoriser en fait ce biogaz. Il s'agit d'un investissement de l'ordre de 2 millions d'euros qui permet d'épurer ce biogaz et de le réinjecter dans le réseau gaz. Et on prévoit que cet investissement, qu'on ait un retour sur investissement de l'ordre de 3 ans compte tenu de la valeur de rachat du biogaz par le distributeur de gaz. Alors on le fait, ce projet a été lancé donc dès 2014. C'est la date à laquelle est paru un décret qui autorisait justement la réinjection du biogaz des stations d'épuration dans le réseau gaz, ce qui n'était pas autorisé au préalable. Donc actuellement, il y a 3 collectivités qui réinjectent déjà leur biogaz dans les réseaux. Strasbourg, Grenoble, et puis une troisième, je ne sais plus laquelle. Actuellement, il y a Angers qui est en cours d'étude. Et donc on devrait être, nous, la quatrième ou cinquième collectivité donc à réinjecter ce biogaz dans le réseau. Et la première et la seule, d'ailleurs, sur la Bretagne. Le projet de valorisation du biogaz est un projet assez ancien, puisqu'initialement, on a commencé des études en 2011-2012. Et à l'époque, on était parti sur un projet de cogénération. On souhaitait fabriquer de l'électricité grâce à ce biogaz. Sauf que la réglementation a changé entre-temps et le projet de cogénération, l'arrêté a modifié les tarifs de rachat d'électricité. Et si la collectivité produisait de l'électricité, en fait, ça lui coûtait de l'argent. Les tarifs ayant changé, ayant diminué, ça a coûté de l'argent à la collectivité de produire de l'électricité. C'est pour ça que ce projet-là a été arrêté. Et après, on était obligé d'attendre, donc ce que disait M. de Courchelles tout à l'heure, la sortie de l'arrêté qui autorise l'injection de biogaz issu de stations d'épuration, qui est arrivé en 2014. Donc la production de biogaz correspond à environ 640 foyers sur la commune, et, ou l'équivalent de 32 bus, c'est-à-dire presque les deux tiers des bus roulant au gaz sur Quimper-Bretagne occidentale. Le biogaz est produit dans un digesteur. L'objectif de ce digesteur, initialement, pour une station d'épuration, c'est de réduire le volume de boue. C'est-à-dire que les boues issues du traitement sont injectées dans le digesteur. Ces boues fermentent grâce à des bactéries et lors de la fermentation, ça produit du biogaz. C'est comme ça qu'il est produit aujourd'hui. Alors ce biogaz va être récupéré et il va être traité. On va enlever tous les polluants qui sont présents à l'intérieur pour arriver à un biogaz, un biométhane en fait, qui sera à peu près à 98% de méthane. Et c'est ce gaz-là qui pourra être réinjecté dans le réseau. Le biogaz issu de la station d'épuration doit être traité, épuré, avant injection. Voilà, donc la réinjection du biogaz devrait être opérationnelle, en principe, à l'automne. Hein. Oui. Voilà. L'installation d'épuration va être installée là, dans les mois qui viennent. Alors ça nécessite, de toute façon, une mise en route lente, parce qu'en fait le digesteur il va falloir plusieurs mois, puisqu'en fait actuellement il est à l'arrêt, donc le temps que les boues reviennent dans le digesteur, se remettent à fermenter, la remise en route, j'allais dire, du digesteur va demander plusieurs mois, hein. Et donc la réinjection elle-même du biogaz se fera progressivement. Donc entre autres que le biogaz, aujourd'hui il y a d'autres actions sur la station qui ont été réalisées depuis on va dire 6-7 ans. Il y a eu un bilan énergétique de fait en 2012 qui a montré qu'on avait moyen de, en faisant des adaptations sur la station, de faire des économies d'énergie. Donc aujourd'hui on a changé des gros organes sur la station qui sont des surpresseurs qui nous ont permis d'économiser aux alentours de 15 à 20% d'énergie, en sachant qu'aujourd'hui l'énergie sur la station c'est 4 millions de kilowatts, quasiment 5 millions de kilowatts par an.
Thank you.